Coucou les filles, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que votre début de semaine se passe bien. Nous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des calendriers de l'Avent, jours 10, 11 et 12. Comme vous le savez ou pas, je l'ai dit vendredi dans ma vidéo ouverture, mais je n'ai pas pu ouvrir les calendriers de l'Avent ce week-end, étant donné que je travaillais en 12 heures et que franchement, je n'avais pas la motive de soit me lever plus tôt, soit de filmer en rentrant. Franchement, j'avais juste envie de me coucher après le week-end de dingue que on a passé au boulot. Franchement, c'était voilà quoi. Et ben, sans plus attendre, on ouvre tout ça. Alors, je vais terminer par Gaëlle, puisqu'il y a pas mal de choses pour Gaëlle, enfin, de sa part. Alors, si je peux éviter de tout faire tomber, parce que bien sûr, je ne me suis pas organisée avant, sinon ça ne serait pas drôle, n'est-ce pas? Hop. Gaëlle. Tac. Eh ben, on va commencer par Magali, tiens. Hop, elle est juste devant moi. Alors, j'ai dit 10, 11 et 12. Hop. Ah bah, le 10. Je vais chercher le 11 en même temps et le 12. Le 12 et le 11. Voilà. Comme ça, je remettrai les petites pochettes après. Parce que sinon, la vidéo va durer une plombe. Alors, 10. Bah, 10, je pense que c'est des breloques. Je vais essayer d'ouvrir par là. Et on a un joli petit koala. Avec sa luge, trop mimi. Oh. Alors, je me suis spoil, puisque Magali a publié sur Instagram ce que je lui avais fait, et elle met toujours en plus ce que elle envoie. Et en fait, en défilant les photos, j'ai pas vu que j'étais arrivée à la dernière, donc j'ai vu ce qu'il y avait dans le jour numéro 10, mais je vous avoue que je ne m'en souvenais plus. Alors, on a une jolie pampille rose, love, cœur, une marguerite. Et là, c'est un petit nounours qui tient une fleur. Ouais. En argenté, trop mignon. Moi, l'argenté, je n'ai rien du tout. Et donc, avec Mayeli, c'est vrai qu'elle, elle a pas de doré. Moi, j'ai que du doré. Et elle, elle a que de l'argenté. Moi, j'en ai pas. Donc, on s'est fait un échange de bons procédés. J'aime beaucoup. Merci beaucoup Magali. Je vais mettre là. Hop. Donc ça, c'est le jour 10. Hop. Voilà. Ensuite, en numéro 11. Alors, il faut que je fasse attention parce que c'est des découpes. Alors, je vais essayer de craquer là. Oh, j'ai déchiré. Ouais, mais je voudrais voilà, parce que si je découpe je pense que j'aurais découpé la tête du cygne. Hop. Là c'était une petite souricette. Bon bah du coup j'ai quand même bien déchiré, mais bah j'avais pas trop le choix, sinon c'était un coup de ciseau dans un cygne. Alors, donc là, on a les petits cœurs que je vais mettre là. Et là, on a beaucoup de signes. Alors, tac, je vais en prendre juste deux. Elle les a fait sur un papier blanc avec le bec en doré. J'adore. En plus, on peut faire... son dies, il fait des deux côtés. À moins qu'elle ait retourné. Non, je pense pas. Il fait des deux côtés. Ça, c'est chouette pour faire un album ou autre. Trop cute. Merci beaucoup Magali. Hop. Hop, je vais mettre ça là. Et donc en jour 12, ça me paraît gros. On dirait un... Je sais pas, un tampon. Ah non, j'ai déjà vu. Mais du coup, là aussi, il faut que j'essaye de... Parce que sinon, je vais tout...
Et donc, on a... On a des petites dots comme ça, en argenté. Alors, ça fait pas des dots, ça fait... comment je pourrais dire? Des espèces de petits diamants. C'est trop mignon. J'aime beaucoup. J'en colle pas souvent, des trucs comme ça. J'en avais, fut un temps, mais je ne sais plus où je les ai mis. En fait, ça fait ouais, comme des petites perles. Je sais pas trop comment vous expliquer. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Merci tout plein Magali pour ces 3 jours. Je te fais des gros gros bisous. Hop. Ensuite, on va passer à Claudie. Alors, 10, 11, 12. 10, 11 et 12. Hop. Alors, le jour numéro 10. Pas du tout. C'est un gnome. Alors je sais toujours pas comment ça s'appelle. J'ai vu une fille qui avait mis en commentaire, mais je me souviens plus. Donc, vous savez, c'est bombé et puis c'est plat derrière. Voilà, c'est un petit gnome. Merci beaucoup. Le 11. Qu'est-ce qu'on a le 11? Le 11, on a un badge de belle fête. Ça peut être sympa pour mettre dans un album. Merci beaucoup. Je regardais comment c'était fait. Bon, j'ai du dentifrice sur la main. N'importe quoi, la fille. Vous avez vu, au moins je me suis brossé les dents. Hop. Et un jour numéro 12, nous avons un flocon en bois et une tête de Père Noël en couleur argentée. Merci beaucoup, Claudie. Je te fais de gros bisous. On va ouvrir ma petite Caro. Il est temps d'ouvrir cette grosse enveloppe pour prendre la place. Le 11. Ah, il y en a de moins en moins, alors ça glisse maintenant. 13, 14, 12. Hop. Ça diminue quand même, hein, parce que bon, c'était quand même bien, bien chargé. Hop. Toc. Je remets ma petite. C'est à côté. Alors, 10, 11, 12. Le 10. Un très beau paperclip. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. On appelle ça comme ça. Et donc, hop, qu'est-ce qu'on a dans cette grosse boîte? Oh! Elle est trop cute! Elle a fait... Attendez, je remets parce qu'elle a un peu souffert. Je pense que c'était, ça devait être collé. Non, Caro? Oh, je sais pas. Tu me diras si c'était collé ici. Regardez, elle a fait une trop, trop belle basket. On dirait vraiment les Converse. J'aime beaucoup là, ta découpe. Puis t'as des coupes cachées de cire aussi. Oh, oh, oh. C'est trop mignon. Regardez. Je pense que vous allez bien voir. Ça ressemble vraiment à une chaussure. C'est génial. Je ne l'ai jamais faite, ta découpe là. Je pense qu'il va falloir que je la fasse. Ouais, elle est trop, trop cute. Merci beaucoup pour ce jour numéro 10. Et un petit goodies. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop. Oh bah dis donc, t'as pas été radine, hein. Alors c'est tous les mêmes, ouais. Elle a mis des trombones arrobas. Alors est-ce que j'ai un papier blanc? Sans vous spoiler ce que je suis en train de faire, bien entendu, parce que madame regarde mes vidéos. Hop. Voilà. C'est un post-it.
Donc c'est un arobase dans les tons un peu bronze. Je les trouve trop cute. Puis elle en a mis une bonne quantité. Je sais pas combien il y en a. Mais il y a ce qu'il faut. Hop. Merci beaucoup Caro pour ce jour numéro 10. Numéro 11. Là, il y a un truc. Là, c'est bon. C'est bien parce que du coup, je sors tout toujours à l'envers. Ça évite de spoil direct. Attention. Oh, elle est trop mimi. Le chat, bah, cannelle et citron. On adore, hein. La rosette. La rosette, elle m'avait dit que l'autre, c'était Fleur Bidou qui lui avait faite. Donc peut-être que là aussi. J'aime beaucoup. D'ailleurs, elle m'a envoyé un lien là qu'il faut que je fasse pour essayer de les faire. J'adore. J'aime beaucoup. Oh mince. Il y a un petit dot qui s'est fait la malle. Attendez, je vais le recoller tout de suite. Il était là. Je vois la colle qui est restée. Ah. Voilà. Caro, ni vu ni connu. C'est réparé. Hop. Voilà. Donc, elle est trop, trop, trop mignonne. Puis là, elle a utilisé, comme d'hab, le papier aquarelle de chez Action qui est un peu texturé et qui fait vraiment effet neige. Je trouve trop, trop joli. Merci beaucoup Caro pour ce jour 11. Et en goodies, on a des petits pompons. Petits pompons rouge, vert et un peu marron clair. Ouais, marron clair. Top, j'en ai pas. Merci beaucoup. Ça est donc en jour numéro 12. Aujourd'hui, ici c'est tout bon. C'est bon. Donc là, attention. Oh, tout dans les tons blancs, j'adore. Oh, le petit cœur, il s'est déchiré. Oh, zut. C'est pas grave, écoute, je remettrai un autre à la place. Donc là, une rosette sur du calque. Oh, j'adore. Donc là, elle a embossé. Oui, si, c'est ça, avec les plaques à embossage, je pense. À moins que ce soit un papier. Je sais pas. Dream qu'elle a mis en dessous. Ça, c'est une découpe de Rosie Studio, ça. Quelle collection je sais plus. Attends, je vais peut-être pouvoir vous dire ça. Peut-être bien la Clovelline. Je suis toujours là. Non. Ben. Ok. Ben, je fais tout en bas. C'est la Make a Splash. Il est là le mot. Je savais bien que je l'avais vu quelque part. Et ben, c'est cette collection. Hop. Voilà. Et du fil. Trop, trop mignonne. Franchement, c'est trop, trop joli. J'aime beaucoup. Merci infiniment, Caro. Et des petits nœuds pour le petit cadeau. Enfin, petit. Pour le cadeau en plus. Des petits nœuds gris. Génial. J'aime beaucoup. Des gris, j'en ai pas. Les seuls que j'ai, c'est celles que Magali
à mi-vendredi, je crois. Je sais plus. Merci tout plein, Caro. Je te fais plein de gros bisous. Hop, je vais mettre ça là. J'aime beaucoup tes mémos. Franchement, je ne suis pas du tout, du tout déçue. Franchement, j'adore. Jessica. Alors, le 11, il est là. Le 10, 10, 11 et donc le 12. 13, toc, 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 12. Voilà. Hop, je referai le nœud plus tard. Parce que j'arrive déjà à fermer la boîte. Oh, j'avais mal mis au bout. Forcément. Alors, numéro 10, je pense que c'est un dies. Ouais. Ah non, c'est une breloque. Autant pour moi. C'est une breloque, je dirais marguerite en bronze. Voilà. Merci beaucoup. Numéro 11. Numéro 11, je vais couper là. C'est des petits cœurs. Enfin, petits cœurs. Non, c'est les cœurs de chez Action. Hop, c'est d'ailleurs celui qui est sur la mémo de Caro. Rose, bleu et blanc. Ça, je les ai, mais franchement, la vitesse où ça part. Franchement, merci beaucoup. Et numéro 12. Numéro 12, je vais faire en haut comme ça. Numéro 12. Okay, c'est un ruban. Ouais. Donc c'est un ruban en fait avec des sequins dorés. Comme ceci. Ça vient de chez Action, ça, non? J'ai l'impression d'avoir déjà vu. Je sais pas. Merci beaucoup, Jessica, pour ces 3 jours. Merci tout plein. Je te fais des gros bisous. Ensuite, Nathanaël. 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 Le 10. Le 12. 10, 12 et donc le 11. Il est là. Hop. Alors, le 10. Qu'est-ce qu'on va avoir comme breloque aujourd'hui? Bah alors. Oh, j'adore. C'est un patin roulette. Elle est trop mignonne. Elle est blanche et rose. Avec un petit peu de noir et de jaune. Elle est trop trop mimi. Merci beaucoup Nathanaël pour ce jour numéro 10. Numéro 11. Numéro 11. Oh, trop cute. On a un joli réveillon rose. J'adore. C'est bien parce que finalement, on n'a pas toutes les mêmes breloques. Hein, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas. Et ça, c'est super. Et là. Alors là, c'est 3 jours de suite. Trop cute, un donut rose et blanc. Merci tout plein. Nathanaël, je te fais des gros bisous. Et enfin, ma petite biche. J'ai dit quoi? 10, 11, 12. 10, il doit être là, je pense. Ouais. Numéro 10. 10.
Dis ce genre, mais chez toi. Tac. Là. Hop. Donc on a un petit coquillage, un tout petit cœur trop mimi que je n'ai pas puisque j'en ai que des gros. Et ça c'est pareil, c'est trop mimi, trop trop mimi. Merci beaucoup ma petite peach. Tac. 11. 11 il y a. J'étais un peu gourmande en termes de découpe. Hop. 11. 8. On a un oiseau. Oh, trop cute. Un oiseau que j'ai, mais c'est pas grave. Je l'aime beaucoup. Et deux petites étoiles. Deux petites étoiles trop mimi. Bleu et jaune. Merci tout plein. Franchement, là, le stock de breloques. Bah, il est refait, quoi. 11, 12. 12, il est là. Hop. Oh, une trop jolie pieuvre et une sucette. La sucette, je l'ai. Mais je crois qu'en blanc, j'en ai plus des masses. À force d'en envoyer, je crois que je ne dois plus en avoir trop. Et une pieuvre trop cute. Merci tout plein. Franchement, j'aime trop vos breloques. Hein. Hop. Tac. Un petit coup de clochette. Comment je peux faire? Moi, il m'amuse son calendrier. Hop. Et ensuite, on passe au petit cadeau. Enfin, petit. Non, au gros cadeau. Alors, l'indice du 10, c'était pour commencer. Alors, j'ai deviné ce que c'était au vu de la taille. Je pense que c'est un bloc 30-30. Hop. Et donc, pour commencer, ça veut dire que y aura plus, j'imagine. Puisque j'ai vu des... Enfin, j'ai vu... Non, la taille des paquets... Je pense avoir deviné l'autre. Hop. Alors je dirais un bloc, je sais pas, Minitopia ou un truc dans le genre. Parce que je sais qu'elle m'en avait. Elle m'avait demandé si un bloc j'aimais. Je lui avais dit oui. Mais je ne me souviens plus de quel bloc il s'agit. Ah non. Attendez, je retourne. Hop. Il y a un petit plus alors, sinon j'aurais vu la collection. Attention. Oh oui, c'est ça. Elle est magnifique cette collection. C'est Cuento de Inverno. Inverno, j'imagine que c'est hiver. Cuento, je sais pas. Je n'ai pas fait espagnol. Et c'est de Minitopia. Je refais un petit coup parce qu'il a pris une mauvaise. Il faudra que je le mette à plat. Celui-là un petit peu bombé là. Pourtant il était à plat. Je sais pas. C'est pas grave, je le mettrai à plat. Donc 12 papiers, 224 grammes. Donc là c'est 12 papiers recto, il me semble. Et 12 papiers recto verso de 170 grammes. Vous voyez, il a un peu... Je sais pas pourquoi. Un peu bombé. Ah non, c'est 12 papiers recto verso. Et donc 24 papiers recto. Donc là, on a un joli fond bleu avec des petits pois blancs. Celle-ci, elle est trop mignonne. J'adore. Derrière, on a des flocons jaunes. Sur un fond jaune. Ça, j'aime moins. Mais bon, en même temps, on ne peut pas tout aimer. Oh, celui-là, j'adore. Oh non, il se défait. Ici, là.
Je vais peut-être mettre comme ça, ce sera peut-être mieux. Attendez, faire un peu de place. Vous voyez bien comme ça? Oui. Allez. Ça, j'aime beaucoup aussi. J'adore. J'adore. Celle-là, c'est une page en entier comme ceci. On a des petites étiquettes. Ah ouais, top. J'adore. Tu vois, j'aime trop. Il est trop cute. Des petites poupées russes. Je suis en train de lire ce qui est écrit sur les devantures de magasin. Et donc là, on est dans le uniquement recto. Donc recto, il y a 24 papiers. Et donc du coup, bah, on retrouve exactement les mêmes. Et c'est des papiers beaucoup plus fins. Ça, c'est génial quand c'est pour faire, par exemple, des structures. Je trouve ça dommage à chaque fois de coller... un papier double parce que bah, ça use une feuille, on va pas se le cacher. Ben grosso modo, celui-là, je suis pas sûre qu'il y était. Génial. J'aime beaucoup. C'est un très très joli bloc. Ouais. J'adore. Merci beaucoup, ma biche. Il est magnifique, mais t'es complètement folle. Je vais essayer de voir. Je pense peut-être le mettre sous presse, je sais pas. Mais en fait, quand on appuie là, ça remonte là. Quand on appuie là, ça remonte au milieu. Alors, je sais pas. Je sais pas comment je vais pouvoir faire ça. Peut-être sous presse, ouais. Et un petit cadeau avec, enfin le 10 du coup, on avait les breloques qui vont avec. C'est trop mignon. Mintopia, il me semble qu'elle avait acheté ça. Kimidori, non. Oh, je sais plus. Je vous dirai pas de bêtises, mais... je sais plus du tout. En tout cas, merci tout plein, ma petite galou. J'adore, il est trop beau le bloc. Fabriqué en Espagne pour Mintopia. C'est peut-être sur le site Mintopia. Non, je crois pas. Je sais plus, je vous dirai des bêtises si je vous parlais plus. Alors, je vais mettre le bloc là parce qu'elles se font la malle. Où c'est que je te pose, toi? Bon, on fait l'inverse. Hop. Alors, en numéro 12, elle m'avait pas donné d'indice. Je ne crois pas. Et... non, numéro 11, pardon. Et numéro 12 non plus. Elle m'a peut-être envoyé là. Mais vu que je suis en train de filmer, bah, je sais pas. Donc, numéro 11. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une créa. Franchement, je vois pas ce que ça peut être. Ouais, ça c'est une créa. Alors, je vais peut-être y aller doucement, histoire de pas faire. Oh, il est trop mignon. Ok. Oh non, elle est partie, elle était où? Elle était là, je vais la recoller. Je vérifie que rien d'autre soit tombé, on sait jamais. Non. Alors attendez, je recolle tout de suite comme ça. Ce sera fait. On peut se remettre là-dessus. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ni vu ni connu.
Tac. Alors, donc, on a un magnifique cartable avec la collection Garden Party de Maggie Holmes. J'adore, punaise. Ah ouais, donc là, c'est un sticker, non? Que t'as collé. Ouais, j'adore. Ton nœud, là. Oh, il est trop cute. C'est une trop bonne idée de mettre du fil comme ça. Ouais. Je kiffe. Il est magnifique. Elle a mis un tag. Avec une breloque. Des dots. Ça, c'est des dots. Les deux là, c'est des dots faits en cachet de cire. Et l'autre, non. Parce qu'elle est mat. Mais les deux là, c'est sûr. Les nœuds, elle les a faits en cachet de cire aussi. Là. J'adore. Elle a fait de la couture tout le long. Il est trop beau ton fil doré là. En dessous, elle a mis des pieds. Génial. Et derrière, les bretelles comme ça. Franchement, il est trop trop beau. Je crois que je vais te repiquer l'idée, hein. Tu m'en voudras pas. J'adore. Bon, on ouvre. Alors. Attends, j'y vais quand même doucement. Et donc, quand on ouvre, elle a mis tout de l'accordéon ici. Ah oui. Elle a mis en fait. Je vais tout sortir parce que je pense pas que je pourrais faire un par un. Alors. Elle a glissé les paperclips de la marque Artemio de la collection Blossom. C'est les mêmes que je lui avais glissé quelques jours avant. Mais du coup, je le savais, elle m'en avait parlé. Et donc là, elle m'a mis en fait de l'espèce de laine. Alors, sur le coup qu'elle m'avait montré, pour être honnête, j'avais pas du tout aimé. Et puis finalement, elle m'a montré sur des créas. Je trouvais que ça faisait joli. Donc elle avait plein de couleurs. Et je lui ai dit qu'elle me mette les couleurs les plus basiques. Donc là, on a du noir, du gold, là, un petit jaune, orange pour Halloween, c'est génial. Et là, on a du blanc un petit peu nacré, irisé, du mint, très joli. Un rose clair et un rose foncé. Trop, trop mignon. T'as un dice pour faire ça? Ouais, je pense. En tout cas, j'adore. J'aime beaucoup. Merci, ma biche. Et puis, en termes de quantité, t'as pas lésiné dessus, hein. Franchement, t'aurais pu en mettre moins, hein. J'adore. Hop, je remets tout ça là-dedans. J'aime trop là. Je vais te repiquer l'idée. Oui. Tac. Tu l'as pas fait en tuto en plus. Quoique. Je sais même plus. Pourtant, je regarde toutes ces vidéos, mais j'avoue qu'à force. Oh, tiens, plus. Ah, il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, le nœud, là, c'est du. L'espèce de plastique. J'aime trop. Ouais, il est magnifique. J'adore. Merci tout plein. Il est magnifique. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. À la place. Mais. En tout cas, il va rester pas trop loin. Donc, ça. Top, des gros bisous. Et puis en numéro 12, je ne sais pas. Aucune idée. J'arrive pas à sentir à travers. Donc bah ma foi, on va ouvrir, hein.
Et aujourd'hui, ah, c'est des mots en acrylique, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Donc là, on a le mot photo en noir, trop bien. Le mot love en blanc, j'adore. Et on a un petit dies craftelier, une mini maison. Il est trop mignon. Trop, trop mignon. Je suis trop contente. Merci beaucoup, ma biche. Je te fais plein de gros bisous. Franchement, ça a régalé d'ouvrir plusieurs jours à la suite, même si j'ai été frustrée de ne pas ouvrir quand même ce week-end. J'avais grave envie, mais je me suis dit non, garde ça pour la vidéo. Et franchement, merci infiniment, les filles. Toutes vos créas, vos mémos, vos goodies, tout est magnifique. Hop, j'essaye de ramasser un petit peu. Voilà. Merci tout plein les filles, je vous fais plein de gros bisous et on se donne rendez-vous demain pour le jour numéro 13. Ouais, c'est ça, 13. On aura fait plus de la moitié. Franchement, ça passe trop trop vite. Merci beaucoup, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à demain. Bye!